Bonjour à tous, bienvenue à Bévis, un village de 130 habitants à quelques kilomètres de Nuits-Saint-Georges. Et comme vous le voyez, ce village, il est encerclé par les vignes. Et justement, avant de visiter le bourg, on va d'abord se rendre dans le vignoble. C'est là-bas qu'Antoine m'a donné rendez-vous. Bon, je crois que j'ai pas pris les bonnes godasses. Bonjour Antoine. Bonjour Sébastien. Bon, qu'est-ce que vous faites ce matin alors ? Alors là, je suis en train de tailler et je fais la pré-taille du mois de novembre et on repassera au mois de mars pour faire la taille définitive. Là ici, on est dans une vigne que mon papa a plantée en 1973. Donc moi, je l'ai faite depuis 2006. Je me suis vraiment installé à mon compte à faire mon vin à partir de 2018. Et donc ça, c'est des vignes qui sont faites en bio depuis 2013. Bon, vous avez un petit peu le temps d'aller faire un tour dans le village ? Oui, Sébastien, j'ai un peu le temps. On peut y aller. Ok. Voilà, je reviendrai finir ce soir. Très bien. Et bah, tu vois, Sébastien, là en face, on voit la montagne de Vergy, où il y avait un château. Et il est où le château maintenant ? Ah, bah, il a été détruit par Henri IV. Ah, ouais, donc ça commence à remonter quand même. Voilà. Ah, il est pas tout récent le panneau, hein ? Ah, il est dans son jus, oui. Bah, l'entrée de l'église, elle a été condamnée là ou pas ? Alors c'est pas une église, c'est un beffroi. Et c'est un bâtiment qui était une ancienne école. Et à l'étage, il y avait le logement de l'instituteur qui a encore habité. Bon, on va voir si la personne est là. Il y a quelqu'un ? Il est pas là. Bon bah dommage, il y a personne. Tant pis. Ça, ça me rappelle quelqu'un. Pascal, il te ressemble un peu, non ? Bon, il est passé où, Antoine, alors ? Antoine ? Ah. Sébastien, vous n'allez quand même pas partir comme ça sans goûter un vin de Bévis. Bon, avec modération, quand même. Avec modération, bien sûr. C'est un Bourgogne de Côte de Nuit, c'est un vin du village, issu de Pinot Noir. Chine tout le monde ? Santé ! Bon, on peut pas dire, c'est quand même la belle vie à Bévis. Hein. Faut pas le dire à tout le monde, hein. En tout cas, merci beaucoup Antoine pour la dégustation. C'est pas très bon. Journée, Sébastien. Merci. Viens quand tu veux. Super, merci beaucoup, au revoir. Ils sont sympas les gens ici. Je le trouve un peu pensif. Bonjour. Bonjour, on vous dérange pas ? Pas du tout. Je voulais juste savoir, c'est qui fait ces sculptures là ? C'est moi. C'est vous ? Oui, c'est moi. Je suis sculpteur. Sculpteur de terre. Alors là, ce sont des petits décors de jardin. J'appelle ça des bijoux de jardin. Et c'est en quelle matière, alors ? Alors, c'est du grès. C'est du grès que je vais chercher dans la puisée. Et c'est quoi, ce personnage, voilà, là-bas, alors ? Alors, c'est le gardien. C'est le gardien de la rue du Gamay. Et votre atelier, il est ici aussi, alors ? Il est en bas. On va descendre. Je vous emmène. Ouais, c'est gentil. Il ne faut pas être trop grand. Hein. Non, il ne faut pas être trop grand. Ça, c'est quoi ? Une sculpture qui est en cours, qui est une sorte de totem qui s'élève petit à petit. Plusieurs pièces s'emboîtent les unes dans les autres. Et au-dessus, on va avoir une arche, un bateau, oui, qui va venir se poser là. Voilà, donc la terre que je travaille, elle est là. C'est comme de la pâtisserie. Pour que tout tienne, je mets de la barbotine et j'applique là. Et ça fait longtemps que vous faites de la sculpture, alors ? J'ai fait de la sculpture depuis environ 20 ans, déjà. Voilà. C'est un travail que j'ai fait après la peinture, qui est mon premier métier. J'ai double casquette. Moi, j'adore ce jeu de descendre d'un atelier où je manie la couleur, à un atelier où je travaille une matière que vous voyez très directe. Avec des reliefs. Avec des reliefs, voilà. C'est ça. Et vos sculptures, vous les exposez où alors ? Alors je les expose dans la région, à Dijon, et naturellement on peut venir les voir ici à mon atelier.
Donc voilà, vous l'avez compris, hein, si vous passez par Bévis, bah, n'hésitez pas à venir voir la sculptrice Anne Auger. Elle se fera un plaisir de vous recevoir, comme elle nous a reçus aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup, Anne. Merci à vous. Et bon courage pour la suite. Merci. Au revoir. Au revoir. Du bon vin, des artistes, des paysages magnifiques. Cette découverte de Bévis a vraiment été formidable. On quitte les Hautes-Côtes de Nuit avec ce magnifique soleil couchant. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.